Allez, c'est reparti. And the last one. Grâce à vous, tout se déroule bien. Finalement, cette expédition n'est peut-être pas si périlleuse que ça. Enfin, je n'aurais pas été de taille seule. Nous sommes déjà descendus très profondément. Pourtant, cet endroit est vaste et spacieux. Drôle de forme, hein. On dirait un doigt. Ah, mais nous sommes dans le creux de la main de Bahamut. C'est vraiment impressionnant. Bahamut est juste endormi. Il ne bouge plus, mais encore présent physiquement. Il n'est pas redevenu terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi qui pensais qu'Eorzea aurait pu renaître uniquement grâce à la quantité phénoménale des terres que sa disparition aurait générée, cette théorie était donc incorrecte. Si Bahamut n'est pas retourné à l'éther, alors qu'est-ce qui a ravivé Eorzea? Peut-être nous devrions-nous revoir de plus près les événements d'il y a 5 ans. La réponse doit s'y trouver. Bien, avançons. Il y a encore des zones que nous n'avons pas inspectées. On dirait bien. Je me demande bien ce qu'il y a à la fin de ce dédale. Terminal.
Le devoir nous appelle. Rien que ça. Alors, mon petit kéké cardiaque. Ah mais moi je croyais qu'on le faisait en désynchro là, ça y est, c'est fini. Bah non, on est vite hein. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est ma première fois. Tu remets un marqueur. T'inquiète. Je crois que c'est la première fois. Ah, t'es pas trop brutal. Tu remets un marqueur. Oh, okay. Tu t'es tapé une barre tout à l'heure. Ah, j'avais pas percuté, c'est la même équipe tout le temps. C'est pas grave. Je mets. Par contre, je préviens, je vais hurler. Hein. On est... pourra monter la gauche. Ah, ouais, voilà, comme ça, regarder. Non ouais, voilà, c'est bien. Dès qu'on a eu les trois petits dragons, on se rapproche de A. Et dès qu'il saute, enfin dès que mon dragon il sort, on se met tous sur A et dès qu'il y a la marque verte, on va sur B. Dani, t'es. Normalement, oui. Trois attaques comme ça. Ah, moi j'observe les gens. À quoi tu ressembles? C'est qui proc en premier, Kéké? Oh, je suis en train. T'inquiète pas mon petit loulou, on est là. On va pas laisser mourir ton copain. Oula, on a partagé le dégât. Ouais. Voilà. Ça me paraît pas tout à trop mal tout ça. Non, sauf Vini. Ah putain, Vini. Justement, c'est ce que je t'ai expliqué. Voilà, je t'ai suivi. Bah ouais. Vous pouvez raise ou pas? Oui. Ouais. À droite, moi. À l'est. J'ai raise Velia. Ouais. Je raise cette place là. Ah, je vais raise Ney parce qu'elle peut raise aussi. Faites gaffe à la vie, ouais, c'est bon. Et Dani, je te raise. Bon, moi je raise personne, je donne de la vie. Ouais, c'est bien comme ça. On DPS un peu. Moi je suis obligé un peu de DPS. Perdre mes petits temps. Putain, alors là c'est l'arrivée. Il va y avoir les secrets. Ouais. Ouh, ça pue la merde. Vas-y. C'est. Reste, Vini. Ouais, je me fais. Je me fais. Ok. Dani, y'a quelqu'un dessus? Je la reste, c'est pas grave. C'est... Hop là. Assurer le heal de points. Ouais, c'est quelqu'un si besoin.
les deux petits ZAD là. Un petit peu en baisse de mana. Ouais, moi ça commence à détendre un petit peu, mais... Ah ouais, ça fait un mana de fou, ce bordel. Meurs, sale bait. Putain, c'est des popos de mana que j'aurais dû prendre en sortant. Donc là, dès qu'il est mort, à partir... Ouais. Quelle heure il faut que Ouh, le killer, c'est bon, je l'ai re-up. Attention, ouais, j'ai absolument... Ah, putain, ouais, j'ai pas vu la... Ouais, moi non plus, ça doit être 20 000. C'est bon, je raise. Je suis mort. Ah, tourisme. Faut tuer le chevalier cobalt, putain. Merci. Allez là. Ah putain, de tornade de ses morts. Try it again. C'était pas loin. On était pas mal là. Bah déjà c'était bien le fait de savoir qu'il fallait aller dans le petit cercle bleu. Ouais. Mais je savais qu'il y avait un truc à faire avec ça, mais je m'en rappelle. Et du coup on a une LB2 pour le dernier stack de mobs. Tranquille au pire. S'il y a un cap distance, DPS distance. Une quoi? Ça va se passer là. La LB c'est la la transcendance. L'attaque spéciale. Ah, si tu l'as pas mis dans ta barre, il faut absolument la mettre. Ici je l'utilise jamais. Il ça peut servir mais. C'est bien en 3 le heal, les deux premières elles servent à rien. Parce qu'en 3 tu restes tout le monde en fait. Quand c'est la merde, tout le monde est mort, tu claques la 3 et donc, tu recommences aussi de rien d'étec. Moi j'en ai. T'es même buffé. Allez, alors hop, 3 secondes. Allez, hop. Allez, c'est prêt, hein. On peut y aller. C'est un bon. Un petit top. Ça, la vie de mon kéké, merde. C'est pareil. Ouais, mais moi mes dots ils rendent de la vie. Mais tu crois qu'ils font quoi les miens? Ah ouais. Non, tu tapes juste, tu t'aspires pas de vie avec des dégâts en mage blanc. Pourquoi j'arrive pas Ah, mais merde, c'est bon. Pareil, j'étais trop loin pour sauver Kéla. Il est où le cerne rouge? Il est pas encore apparu. Il va apparaître sur une personne. Voilà l'ardine. C'est qui? C'est pas... moi. Pas trop parce que ça... J'ai encore la pinte rouge par contre. Ouais. Désolé, de temps en temps je vais me. Faut que je me remotive alors je vais peut-être vous passer les oreilles. C'est pas grave. Pas de problème. Enei. On verra apparaître vers le dé direction. Enei va se dire que c'est trop facile. Ah, je reste. Merci. Ah là je peux pas. C'était pas pile poil en bas quand on a marqué la barre. Je reste, je veux dire. Je suis déjà. Je te reste, je te soigne pas. C'est moi. Nei est en train de soigner ou presser quelqu'un, je sais pas qui. Ok.
J'ai une agro les petits loups, kéké. Ney, c'est une brésée. Non, c'est... Enfin, moi, je... Velia, c'est bon. Je vais bientôt pouvoir raise. Je vais raise Dani. Ah putain, c'est bon. C'est bon. Non mais c'est bon, je veux dire, je suis pas mort. Ah, je suis mort. Oh putain, allez les. Allez, compte sur toi. Non. Ah, t'as pu raise quelqu'un avant? Non, Moi je suis raise. Si, Vela, allez, vas-y, allez, on peut-être. Raise-moi si jamais. Tiens, Vini, ouais. Ouais, ah putain, j'ai attaqué ma veine, regarde. Allez, on retry. De toute façon, là, en vrai, on était mal parti avec les deuxième phase. Bah putain. Qu'est-ce qui nous est arrivé là? Bah, on a perdu 3-4 gars dès la deuxième phase, donc autant reste pour le monde. On avait pas de place à faire. Mais du coup, on peut répéter la stratégie sur le AB là avec la marque verte. Les ZAD, il faudrait les garder sur le AB pendant la strat. Vélia, qu'est-ce que tu fais pour attaquer? Ça va pas être difficile. On va avoir défoncé les trois coups de là, on va à ce moment-là, on va tous. Et celui de la marque verte, il touche pas par ci. D'accord. Hein, je comprends pas pour. Parce que en fait, il va mettre la marque verte, mais il va aller dans les résultats, tu crois, par rapport à l'histoire. Si un mec a la marque verte, c'est là, il est super. Là c'est moi, pardon. Oh le critique de coup. Dès que la marque verte apparaît. Bête sa mère. Ah, ça m'a poussé. Ouais, bon, là, ça m'a... J'ai la grue, du coup. Ouais, bah ouais. Ouais, mais t'as son... Adieu, Vélia. Mourrez pas. Non. Tu te fais manger par les serpents, là, dis donc. Qui est bon en anglais parce qu'il faudrait lui expliquer la situation. Non mais c'est bon. C'est bon, quoi, il a fait. Il demandait s'il fallait retourner en A après et tout à fait Thierry. Il est pas con celui-là. Il a tout compris ce petit gars là, dis donc. Sacrément.
aussi. Aïe. Le sprint. Allez, on sprinte. Oh bah non, mais là... Je reste. Au moins on en a perdu deux. Non, non, mais je reste. Vas-y, reste bravé. Tout à l'heure, on est mort, on est mort. Non, je reste bravé alors. Non, non, il y a Ney qui me reste. Bah, bon. Allez, 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 allez. Vous discutez pas. Des roulettes, hein. C'est toi qui est en train de faire. Attention, il va y avoir le bras pour être plus en train. Il va y avoir le. Allez, attendez. Ah non, je suis sorti alors que j'étais encore plus loin que les autres. Je comprends pas. J'étais même après B, j'étais encore plus loin que B et j'ai quand même été jarté en dehors. Je comprends pas cette mécanique, sa mère. Moi, je peux pas. Je veux plus aller de rail. Vas-y, il joue. Tu y vas ? Ok. Elle est où ? Elle est loin, évidemment. Oh là là. J'ai ramassé Ney in extremis avant que... Surveiller le corbeau, ouais, les copains. Essayez de vous écarter, de pas y rester trop près. Wow. Ah putain. Bah alors moi ça m'a soufflé et ça m'a sorti dehors. Ça m'a sorti mais de loin. Rané, on compte sur toi. Ah putain. Oh, il peut raise aussi. Ah ouais, oui. il raise. Putain, on a 3 raise par contre. Ah. Ah putain. Bah là c'est mort. Non. C'est quoi qui nous a propulsé le bout de la carte là? C'est les tornades. C'est la fameuse tornade en fait, il faut vraiment pas être back à ce moment-là. J'oublie la tornade. Si elle. Si ouais, quand elle pop en fait, après elle te jarte. Bah, si t'es dedans, par contre, ça te. Elle fait une bête et ça jarte. Et par contre, si t'es au milieu, je crois que ça t'OS pour. Ça te jarte pas, mais ça t'OS. Vous avez vu ou pas là ce que j'ai dit? Elle a dit que si une fois qu'elle a ouais, pour qu'elle en largue un deuxième. Ah, pour le main tank, ouais, c'est ça que je me disais, il me semblait. Après, on arrive à tenir Kéké tranquille. Hein. Mais ça, c'est quand on a le bleu. Je lance mes spells défensifs. Je sais quand il va me les faire en fait, les attaques. Donc je claque mes spells défensifs à ce moment-là. Ah ouais, du coup. Si il pense pas, je me fais tuer. Après, c'est toi qui vas, tu pourrais essayer de l'éloigner un peu pour quelque chose de deuxième et puis après revenir en bas. Ouais. Donc c'est parti. Ok. Ah
de viol, le kiki metteur là. Ah oui, d'ailleurs, 57, Dieu. Marque rouge. Si. Ah, j'ai la marque rouge. Je suis dans la capette. Hop là, non. Je raise. Ah, bougez, bougez, bougez. Désolé, je n'ai pas vu que... Quelqu'un reste Nélia. Veilla, pardon. C'est bon, Nélia Marez. Je reste prêt. Non, elle m'a reste. Reste bluff, ouais. Pas où vous êtes donc ah, on m'a ciblé, ouais, tout à droite. Bon. Yes, le reste du site. Faire Vini aussi. Je vais essayer de faire Vela. Velia, allez, Velia, reviens. Allez, on revient. Relevez-vous les morts! Ah putain, merde, kéké, on a perdu kéké. J'arrive. Occupez-vous des. Vini, je te réhop. Des tanks si vous pouvez. C'est quoi kéké? Il est autant que vous pouvez. Moi je passe un. Je peux refaire un encore. Hein. Ah, il est pas passé. Là. Je suis mort, putain. N'oubliez pas le chevalier, Célia. Putain, trop mal. Hein. C'est mort. Il n'y a plus de rêve. Tabarnak. C'est pas vous, mais moi quand j'essaie de me détendre, j'ai tout mon visage, il se décrisse et ça fait trop bizarre. Ouais, moi c'est pareil pour mon dos. T'es en train de serrer des dents là pour... C'est dans le cou. Non, mais tu sais, j'ai tout le visage, il est en mode. Ah, ah, ah. Où ça? Je descends les épaules là. Alors, moi je connais un bon médicament, sauf que j'aurais pas le droit d'en parler ici.
dit-il avec ses bruits de feuilles. Ah non, c'est une cigarette, hein, calmez-vous. Oui, bon, c'est quand même un bruit de feuilles. Voilà, l'ardine, c'est une cigarette. Tous les bruits un bruit de feuilles pour rouler une cigarette, c'est normal, hein. Oui, enfin, soi-disant, c'est une cigarette. Un peu de nicotine pour buffer les îles. Non, vu la taille, c'est vraiment une cigarette. Et étant donné qu'il y a un filtre, oui, c'est vraiment une cigarette. Merci, mon témoin. Eh, mais je bois pas la bouteille. Oui, je bois pas la bouteille. Mais tiens, il y a un verre. Quel corps. Dit-elle alors qu'elle rôde comme un. Comme un camionneur. Hop. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est plus, mec? Je sais pas. Je crois qu'il a trébuché en courant en arrivant. Sparadrap. Ouais, grave, c'est Sparadrap. Tapez, tapez. Pour le tank et tous les autres.
Alors là on bouge. Et ouais limite c'est je pense que c'est pas mal de pouvoir. Putain, je te rêve. Je pense que c'est pas mal de couper le top. Hein. Hop, je peux avoir une à côté de moi. Je suis étourdi, je sais pas quoi faire. Normal. Adieu mon cruel. Non, il est pas mort. Moi je me déplace de gauche à droite sur la map. Ouais. Elias, si tu peux les raids. Ouais. Y'a Ney aussi. Raid, hein. De Kéké. Merci Velia. Top, top. Allez, bien joué. J'ai un truc autour de moi. C'est quoi? Je t'éloigne. Daniel. Ouh, le critique sur Daniel. Ah c'est bon, c'est, il m'a balancé ses 5 machins là. Vas-y LB, envoyez la LB. LB, LB. Que lui sa mère. Yes. Oh là là. Comment c'est merde. Ta gueule. Non, en vrai, ça va être vachement moins. Non, ouais. Pourquoi pas, franchement. Je suis contente, j'ai un petit trophée en plus. Il est pas français, notre ami, là, Ney? Non. Non, je crois pas. Tiens. On peut essayer de le couper quand même. Eh bien, profitez de la prochaine... du prochain lieu où vous allez arriver, parce que c'est plutôt sympathique. Et bah, tant pis pour ma cabre, hein, elle serait restée avec nous, elle l'aurait fait. Faut aller faire la... faut aller rendre la quête maintenant. Ouais. Putain, qu'est-ce qu'il y a comme... Oula, non. Si. Si. C'est pas là qu'on sort, d'accord. Tu peux faire U et quitter, hein, si, si ça marche. Ah, si t'es sur PC. Nina, quitte pas, va au lieu de l'instant, c'est... parce que là, il y a une limite. Il est sur PC, il stream. Voilà, merci. Mais là, je l'ai sur mon deuxième écran, il est sur PC. Eh, t'es pas obligé d'être. T'es pas obligé d'être. En fait, et puis, là. Et puis, je te pisse à l'arrêt, tu sais. Hein, t'es pas obligé d'être aussi hautaine avec moi. Ah, c'est la vanne de ma maman, ça. Oui. Moi, j'ai la ref à cause de ma mère. Pourquoi ta mère s'appelle Odile? Non, mais elle fait tout le temps cette vanne. Bah en même temps, oui, mais du coup, tu t'as la rêve que grâce à ta mère, papa. Si, t'as quand même vu le film. Non. Sérieux? Oh, les gars, la cité de la peur, quoi. Oh. Meilleur film français ever avec Re, quoi. Non. Oh non, Re. Vas-y, le film, genre. Je n'ai jamais vu ce genre d'appareil auparavant. Peut-être qu'en y faisant circuler de l'éther. Bon, je vais essayer. Au fait, avez-vous remarqué, le dragon que vous avez vaincu tout à l'heure, il portait un appareil, sans doute un appareil de contrôle à mon avis. Il était manipulé par quelqu'un, sans doute une façon de protéger cet endroit. Alors les Alagois étaient même capables de contrôler les dragons, c'était vraiment une civilisation exceptionnelle. Les Ishgardais se réjouiraient sûrement d'avoir une telle connaissance à portée de la main. Cela pourrait changer leur destin du tout au tout, à condition d'en faire bon usage. Peut-être que l'Empire cherchait aussi à s'emparer de cela. En tout cas, les créations des Alagois dépassent vraiment l'imagination.
c'était sans doute les vestiges de la magismologie. L'étude scientifique de la magie et l'application de celle-ci dans des procédés technologiques. Dire qu'ils ont inventé tout ça à une époque si lointaine. Regardez, c'est... C'est Bahamut. C'est son cœur du cristal, mais alors, il est en vie? Non, je refuse de croire. Si Bahamut est encore en vie, alors à quoi a servi la mort de mon grand-père? Quoi qu'il en soit, mieux vaut nous retirer pour l'instant. Nous ne pouvons pas nous permettre de l'affronter sans préparation. Attendez, il y a quelqu'un, c'est... Non, impossible. Grand-père, je rêve pas, c'est bien toi. Tu t'en vas. Je te cherche depuis si longtemps. Grand-père. Oui, je sais. Nous devons sortir d'ici avant toute chose. Comment parce que je viens de me TP à côté d'elle. Hein? Bon bah où alors du coup, refuge des roches? Attends. Moi je vais vous abandonner là. Et bah bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Fut un plaisir. À une prochaine fois. Ciao ciao. À une prochaine. À une prochaine. Ouais, deux points c'est. Hop. C'était cool, mais je vais m'arrêter moi parce qu'il est 2h. Mais où sommes-nous? On dirait le Tanalan septentorial. C'est incroyable, nous étions pourtant en OCA. Nous avons emprunté un téléporteur sur une telle distance. Non, c'est pas possible, mais peu importe. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? L'homme qui était dans le souterrain, c'était Louis Soir, c'était mon grand-père. Il est en vie, il a survécu face au primordial. Mais alors, pourquoi n'est-il jamais rentré auprès des siens? Quoi qu'il en soit, notre enquête est terminée pour cette fois. Que de choses surprenantes nous avons apprises. Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement assisté par ordinateur d'Aperture Science. Et merci pour le follow. Bienvenue. Nous devrions rentrer au refuge des sables pour récapituler. Je souhaite parler à Uriangée. Je suis vraiment heureuse que vous m'ayez accompagné. Décidément, les aventuriers des Orzéens sont réellement fiables. Merci pour tout.
Hop, ok. Où est-ce qu'on est arrivé? J'ai pas forcément envie de me lancer dans des raids maintenant. En tout cas pour ce soir. Un petit peu, on arrive bientôt à la fin de... du chapitre sur la main quest. Bon, si, on va lancer quand même les méandres de Bamu. La deuxième série de défi 8. Je sais pas sur la bonne page, je crois. Raid 8, pardon. Pas défi 8. Quatre parties, ok. Alors, le retour triomphal du Réo d'Erzer. Mademoiselle Alizée m'a fait part de votre succès. Mademoiselle Alizée est la petite fille de notre maître Louis Soie, le veilleur. J'ai bien tenté de la mettre en garde contre le danger de cette expédition. Il semblerait que tout se soit déroulé sans risque. Grâce à la clé que vous avez récupérée, nous pouvons espérer ouvrir la porte qui nous permettra de faire la lumière sur bien des mystères. Allez, on reprend. Très bien. Nous allons donc revenir sur le résultat de notre expédition. Uriangée, vous avez des choses à nous raconter, je crois. Au moment où vous étiez sous terre, un séisme annonciateur d'un primordial s'est fait ressentir. L'épicentre se trouvait dans la partie nord du Tenalan, de la région du Mordona, plus exactement sous la plaine de Cartenau. Voilà qui est très curieux. Il n'y a pourtant pas de tribu ayant procédé à une invocation par là-bas. Mais alors, c'était sous la plaine de Cartenau que nous avons vu Bahamu? C'est une forte possibilité en effet. On croyait Bahamu disparu il y a 5 ans. En vérité, il s'est protégé dans le sol et se cachait ici, sous la plaine, en attendant que quelqu'un le réveille à nouveau. Cette perturbation de l'éther dont nous avons suivi la piste, si elle provient du sol où se trouve Bahamu, ça expliquerait plusieurs points. Bahamu, le primordial ancien, aspirant dans son antre souterrain la vie d'Erzea, il va sans doute finir par rejaillir vers la surface. Et cette fois, ce sera véritablement la fin. Nous ne devons pas baisser les bras. Je ne renoncerai pas. Après tout, mon grand-père a survécu lui aussi. Ah mais alors, est-ce que grand-père se trouve là-dessous pour continuer de contenir Bahamu? Quoi? Louisa le Veilleur, vivant? Mais ce serait un miracle. Ce serait... inespéré. Mais c'est impossible, il a pourtant... Je sais ce que j'ai vu. Je suis sûr que c'était bien lui. Il s'est enfui vers les profondeurs du labyrinthe, mais il y a deux autres fragments de Dalamund plantés dans le sol. Je suis sûr qu'on le reverra. Nous allons trouver une manière de nous y infiltrer coûte que coûte, et nous trouverons mon grand-père. Bien, je vais avertir les grandes compagnies de ces événements. Mieux vaut qu'elles soient préparées avant de recevoir ces nouvelles, plutôt que de les découvrir au moment inopportun. Et le peuple doit être correctement dirigé et maîtrisé. Si une nouvelle menace catastrophe potentielle pointe à l'horizon, qui sait la panique qui pourrait en découler? Même si nous ne faisons rien, Alfino ne va pas se gêner pour aller faire son intéressant et les mettre au courant. Il a l'air de croire qu'il pourra railler tous les peuples d'Erzea dans cette magnifique union sacrée de toute façon. Luangé, vous me devez m'aider à poursuivre mes recherches sur Bahamu. Il faut que nous retrouvions grand-père et que nous le ramenions. Alors seulement la vérité éclatera. Vous aussi, vous allez devoir le faire. Nous aurons besoin de vous. Ou plutôt, notre monde a besoin de vous. Car Erzea n'est pas encore hors de danger. Elle a besoin d'un héros pour être Salam et pourfendre Bahamu. Alors seulement elle sera sauvée. Ok.